Salut à toutes et à tous, nouvel épisode, nouvelle émission. Nous sommes ce jour-ci dans la zone 7 sur Africa France TV. Nous sommes avec le technicien Gang, un artiste qui est le plus en vogue actuellement au Bled ici. Lui qui est le plus connu de tous, lui qui a marqué des générations et qui continue quand même de faire impact avec ses tubes et ses hits. Nous allons parler de sa carrière et nous allons parler aussi de son aventure musicale dans ce game. Digang, bonsoir. J'espère que tu vas très bien. Super bien. Ok. Alors, Tigang, à l'état civil, c'est quel nom déjà et pourquoi avoir choisi ce blaze? Bon, à l'état civil, c'est anciennement le nom de Flora. Tigang comme blaze, le technicien Gang. Le T représente le technicien, c'est le technicien Gang. Ça représente. Le gang, c'est beaucoup de styles. Quand on parle de gang, ça ressemble beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de quelque chose de fait. Donc, ça fait que je fais aussi le rap, je fais traduit parce que je ne connaissais pas traduit. Après, c'est le rap. Après, je ne connaissais pas chanter. Après, je connaissais plus technique. Technique gang. Apparemment, c'est un métissage de culture. Voilà. Alors, un métissage de culture en quelque sorte. On traduit et on débat dans le modèle. Alors, pourquoi pas autre métier à part la musique? Vous savez, ce qu'on appelle métier, c'est ce que tu aimes. Quand tu commences quelque chose, tu commences un métier que tu n'aimes pas, c'est que tu ne seras pas à l'aise. Tu peux décider d'être un fonctionnaire d'État. Apprendre le métier, ce métier maintenant. Moi, ma passion, vous savez, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être un artiste, chanter, présenter comme un artiste. Donc, en tout cas, c'est une passion pour moi. Et j'aime ça. Avec. Quand tu aimes ça, c'est que c'est ton métier. Tu le fais en fait, et ça te donne à manger. En tout cas, moi, j'aime ça et je préfère avoir ça comme métier. Bon, pourquoi pas métisser ça avec d'autres? Ok, super. Avec la complicité quand même de la régie de l'autre côté, nous on te souhaite quand même bonne chance, on t'aime, on apprécie ce que tu fais. Alors, cela voudra dire, est-ce que tu as laissé très tôt les cours ou bien, comprends pas? Parce que je dis, il y a beaucoup d'artistes quand même qui raccrochent très tôt les cours et puis c'est la musique qui prend le dessus. Bon, moi je ne veux pas dire que je vais raccrocher les cours parce que, bon, ça veut dire pour continuer les études, il faut avoir l'argent, il faut avoir les moyens. Et moi, après le bac, j'ai décidé d'arrêter et de me chercher. Ouais, donc, la musique, je ne dirais pas que c'est une faute pour laisser les études, mais la musique, on ne peut pas mettre deux doigts dans le même lit. Exactement. Donc, moi, j'ai choisi d'arrêter d'abord les études consacrées à ce que j'aime le plus. Parce que les études aussi, c'est. Tu commences les études pour quelque chose en fait. Et si tu vois déjà quelque chose, tu fais ça. Voilà. Donc, ça. À mon humble avis, je pense qu'on peut accepter ça de tout ça. Parce que chacun a fait son choix dans la vie. Voilà, bon. Moi, je vais continuer cette série de questions. La chose qui est un peu la plus étonnante, c'est que on a vu que tu as quand même, tu t'es approprié un style musical donné. Et tu as pris le rap, mais pourquoi ne pas aller peut-être en français tout le temps, mais on voit que tu mets plus l'accent en fond. Je ne sais pas, est-ce qu'avec ça, tu te sens plus à l'aise pour communiquer avec tes fans ou bien pour passer plus le message? J'ai choisi le fond parce que la plupart de ceux-là qu'on côtoie, les mamans, les frères, les amis, tous ceux-là qui nous entourent, les personnes qui maîtrisent mieux le fond. Tu vois, au Bénin ici, je dirais au Bénin ici, pour vite accrocher le maman, il faut que tu parles en fond. Parce que je pense que c'est la langue fond qui est plus parlée ici au Bénin. Et quand tu parles le fond, tu as une facilité de vite approcher le public. Par contre, il y a assez de personnes qui parlent déjà le français. Et moi, je me trouve mieux en fond. Parce que c'est ma langue, moi je vais m'abonner, c'est ma langue maternelle. Je maîtrise un peu le fond. Et quand je suis dedans, je suis à l'aise. Je suis à l'aise et quand je prends le fond, je peux me manierer comme je veux. Mais pas comme en français parce que même un coup pour. Je suis bien le temps.
Abomé, tu as dit, tu vas en passant par Boycon. Donc il y a un peu de tournant, un peu d'affinité, ça ne garde pas la sauce. Ok, super. Alors Digang, dis-moi, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'être quand même vu de tous, parce que tu es actuellement l'artiste le plus en vogue dans le bled ici, notamment quand même avec les hits, hein, parce que tu es véritablement une machine à hits pour beaucoup de personnes. Depuis Chaki jusqu'à ce jour, combien de singles, et pourquoi pas encore de collaboration, peut-être une grosse collaboration qui pourrait encore réveiller peut-être l'attention du public béninois sur toi. Je ne dirais pas que je suis l'artiste le plus en vogue, mais c'est j'ai dit actuellement, actuellement, ouais, actuellement, avec celle de m'en sortir pour le moment, on a rien fait. Et pour moi, tout ce qu'on a fait, c'est le but. Vous voyez, on laisse tout, on a fait ce qu'il va venir. Mais pour la collaboration, on a assez de collaboration, je ne sais pas encore sortir. Là, on a du suspense pour les fans parce que. Tout le travail pour que ça aille de mieux. Mais je vous rassure qu'il y a pas mal de collaboration. Ici comme d'ailleurs, on va vous remercier d'ici. Comme tout le temps. Ce n'était pas prévu dans mon questionnaire, mais tu as parlé de collaboration. J'ai parlé de collaboration, mais tu as aussi dit que tu as assez de collaboration. Je voudrais savoir, est-ce que derrière ça, il y a un album qui se prépare ou bien quel est. Quand même, la chose à savoir. En tout cas, pour moi, ce qu'on appelle l'album, c'est Open AC. En tout cas, je ne suis pas encore dedans. Peut-être que l'inspiration, c'est pas que je ne peux pas le faire. Mais ce qu'on appelle album ici au Bénin, je ne suis pas de moi. Hein. Ce n'est pas encore dans notre projet. L'album au Bénin, ça ne prépare pas. Tu n'as pas les moyens, si tu n'as vraiment pas les moyens, il ne faut pas rentrer dedans. Donc pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si ça viendra, mais bon, on laisse le temps décider ce qui reste. On espère bien. On espère bien. Dieu est dans la batte à plus. En tout cas, dans la grâce. Inch'Allah, ça ira. Alors, Digang, dis-moi, est-ce que tu as l'habitude de la musique que tu fais à fond? Est-ce que tu écoutes tes confrères artistes aussi? Au regard de ta musique que tu fais aujourd'hui, est-ce que quand même tu arrives à écouter d'autres artistes comme Chris Barr, je ne sais pas trop, Togo Yéton, Vano et autres quoi? Moi j'écoute beaucoup les Béninois. Je dirais que je peux demander à mes gars, moi je suis tout le temps dans la musique urbaine ici, comme l'ancienne génération, je suis dedans. J'écoute Chris Barr, j'écoute Kreskin, j'écoute Siano, j'écoute Togbe, Vano, n'en parlons pas. J'écoute beaucoup les Béninois. Parce que d'abord, pour être un consommateur, pour qu'on te consomme. Tu vois, il faut consommer d'abord, il faut donner un bon exemple. Aux autres, je dirais, aux autres populations pour qu'ils le suivent. En tout cas, pour moi, c'est un bon exemple. Œil pour œil, dent pour dent, consomme, tu consommes, c'est le local. On continue avec cette série de questions. Je pense qu'on t'en vers la fin déjà, mais vu que tu m'as parlé que tu consommes purement le 229, ce qui est de chez toi, dis-moi, à ton avis, on sait qu'il y a quelques mois de cela, tu as lancé Pizza Life, qui a quand même bougé dans ton pays, qui a cartonné, qui continue quand même d'impacter des générations. C'est-à-dire, aucun enfant aujourd'hui ne peut passer à côté sans fredonner ce morceau. Qu'est-ce que ça te fait, toi, concrètement, de voir? C'est-à-dire, c'est la réussite, on sent quand même que c'est un travail bien abattu. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Comment ce projet est vraiment concrétisé? Tu as fait un projet, le lendemain ça donne un succès.
bon, pour ne pas être hypocrite, je suis content de ça et je remercie Dieu pour ça. Et encore à venir la déposer, par la grâce de Dieu, ça va impacter comme un cigare parce que c'est un frère qui fait. Donc, voir un cigare traverser des générations, c'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment content, je remercie Dieu. Amen, ça ira, Inch'Allah. Quand même, on a remarqué quand même que depuis quand même le début du premier single, je crois bien que c'est 4. Sata, le premier single. Mais moi, nous, t'as plus connu sur Jackie. Parce que Jackie a beaucoup bougé aussi. On reconnaît quand même que depuis Jackie, tu montres de puissance en puissance quand même. Et on le sait vraiment, véritablement. Parce que tu es un artiste et puis on sait que ça va donner ce que ça va donner. Moi, on souhaite que tu représentes le meilleur. Super. Toujours dans cette perspective, je voudrais te demander, tu sais que tu as fait Insta Live qui marche aujourd'hui. Alors, pour toi, à ton humble avis, c'est ton avis, hein, c'est pas mon avis, tu dis ce que tu penses. À ton humble avis, à part toutes ces successions de morceaux qu'on subit après Insta Live, t'as dit, il y a eu plusieurs sorties. Et aujourd'hui même, nous avons connu quand même beaucoup de sorties quand même dans la tendance. Que penses-tu actuellement ici au 229 présentement après ton morceau Insta Live? Quel est le morceau qui est le plus écouté? Le plus écouté, sans gueule de tabou. Tu dis ce que tu penses. C'est ton avis au fait. Pour ne pas mentir, vrai là. C'est le tournoi de Valo. C'est le hit, je dirais que c'est le hit de l'année. C'est le hit qui a précédé. Je pense que c'est le tournoi de Valo. Puisque c'est nous tous les deux Valo, en même temps, je demande, est-ce que tu peux quand même fredonner quand même ce petit morceau? Et on va voir quand même ce que ça donne quand même. Ça ne dérange pas. Nous tous les deux Valo. Ok. On a tout le monde là. Mais tu es là, en tout cas, courage à lui, c'est un bon morceau. Bon morceau. Rêves-tu de collaborer peut-être avec Van? Ouais, c'est un gars, c'est un ami de longue date. En tout cas, on est comme ça. C'est pas que je. Ça va, ça viendra. Ça viendra, ça à coup sûr. Parlant de ça, même, je t'ai vu présent à son anniversaire. Tu étais présent quand même à son anniversaire la fois dernière au 229. Ça fait plaisir quand même de voir toujours des artistes se représenter, de se soutenir dans ce bled, parce qu'on sait que ça ne va pas du tout, mais quand même, on essaie de penser. Alors, le prochain projet déjà, c'est pour quand? Je pense que réellement, on va débuter l'année d'ici quelques semaines, parce que depuis le début d'année, on n'a pas fait. Moi, la violence, c'est un projet pour nous sensibiliser. Notre tension politique. Après du gang, du freestyle, après tout ça. Donc, je vais véritablement débuter l'année ici, quelques semaines. Et après, on enchaîne, jusqu'à. On a encore fait la photo. Et la photo. On comptait sur moi. Et la fin, allez-vous. Parlons de ce projet d'ailleurs que tu vas lancer bientôt pour commencer la rentrée, hein, des hits, je dirais. Alors j'ai vu, peut-être je dirais en exclusivité, parce que j'ai vu Momo, ton manager, qui m'a renvoyé quand même un extrait où c'était chaud bouillant. Et puis quand même ça a quand même circulé un peu partout dans les groupes WhatsApp. Ça sent déjà quand même de la bonne humeur. Est-ce que tu peux quand même me donner ça là pour que quand même. C'est pas trop. Aujourd'hui je suis trop en train de dire Fredon. Ouais mais bon, là tu es un artiste. C'est les questions que tu dois attendre à tout moment. Mais c'est ton travail. Ah, mais les yeux, comment bien, ne connaissons pas. C'est ça. Adéou beaucoup à mon nom, tu iras en enfer. Je n'aime pas le paresseux, Adam, comme le pasteur. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de valeur. Mais un emblème, il me rend de l'argent, fait pas le bonheur. La vie d'aujourd'hui, c'est sans pitié. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Abattre nous d'abord.
La drogue est sur tout. Et la farine, on espère. Ok, Tigang, on souhaite beaucoup de succès à ce projet déjà. On est là pour accompagner le projet quand même à cœur ouvert, parce que c'est le 229 qui gagne après tout. Pas de soucis, on est là. Alors, tu as souvent tendance, toujours hein, dans tes morceaux, et Mayon Mere à Nidozo, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux. Alors, vous m'avez à Nidozo, moi. Alors, donc, on est gentil, hein. Tu préfères t'arrêter là. Donc c'est tout. Et c'est devenu quand même un mot de passe. Hein. Ouais. On sent que quand même un peu partout aussi dans Cotonou, les jeunes, et Marion Mélia, ah c'est ça. Intéressant. Alors, nous avons parcouru quand même. Des tas de questions, on a pas mal de questions, tu nous as parlé des collaborations, tout ce qui vient de ton projet. Alors dis-nous concrètement, nous sommes presque à la fin, quel est le message que tu as le plus à envie de partager aujourd'hui, peut-être sur notre canal, à tes fans d'abord, à tous ceux qui te soutiennent depuis le début, et aussi spécialement aux promoteurs béninois aujourd'hui, et que penses-tu du showbiz en réalité, béninois bien sûr. Je dis merci à tous ceux-là qui ne cessent de m'accompagner. Mais le boulot tient les enquêtes. Mais de l'équipe, j'ai besoin de team, tout le monde dans l'environnement. Mais de l'équipe, j'ai besoin de 100 francs. À moi, mon Dieu, mais de l'équipe. Avant de nous, il y a quand le boulot tue, le tue en nous, les gens. Il faut de tout pour créer mon camion. Je dis merci à ceux-là qui m'accompagnent. Et ceux-là qui ne m'accompagnent pas. Tu es là, là. Apparemment, c'est aussi un mot de passe. Après une salle live, c'est ça hein, qui précède. En tout cas, aux promoteurs, je sais que Covid est venu de doubler. À moi, En tout cas, c'est pas un jeu pour les artistes et pour les promoteurs ici. Mais n'empêche, en tout cas, ils n'ont pas mis dans nos projets, mais en temps leur pour les concerts, de ne pas nous oublier. En tout cas, c'est pas parce que tu restes loin. Hein. Nous sommes là, ils ont besoin de nous. Et courage à eux aussi, nous aussi, tout le monde. Parce que c'est pas facile, je suis bizarre. C'est pas facile. Il faut être fort. Pour traverser les frustrations et tout. Alors, mais le port à Miller, c'est jusqu'à la moindre. Le technicien. Super. Ça, ce fut un plaisir quand même de te recevoir sur l'émission Zone 7 d'Africa Force TV. Et déjà, moi, je profite de l'occasion quand même pour remercier ton staff qui t'accompagne, Moko La Gloire. Voilà. La centrale, Richard Plage. Peut-être on en reparlera aussi la fois prochaine. À coup sûr, on te recevra encore peut-être une autre émission spéciale pour parler d'autres choses encore. Il n'y a pas de souci pour ça. Quand même, moi, je te souhaite beaucoup de courage. Nous, on te souhaite beaucoup de courage et ton soutien. D'abord, je ne dis pas ton soutien, mais nous, on t'accompagne, on te soutient. Donc, je te remercie beaucoup pour ta franchise aussi et pour ta disponibilité. Merci. À vous aussi, à toute l'équipe, ceux-là qui sont déplacés pour moi. Parce que moi, je suis merci, tant que je suis venu. Je ne sais pas pour l'envoi. C'était le technicien Gang sur Africa Force TV. One love.